Bon oubliem à tous, ici le Rôle Histoire, votre Bushi dévoué. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre aventure Culture and Shield sur Ghost of Tsushima. Voilà, très heureux de vous retrouver. Installez-vous confortablement et on est reparti exactement là où on s'en était arrêté. Donc, on venait de défendre Yarikawa contre l'envahisseur mongol. Et donc là, il faut aller à la prochaine quête principale. Où est-ce qu'elle est? Elle est ici. Voilà, donc on va s'y rendre. Alors, petite question, est-ce que je peux m'y téléporter? Ça pourrait peut-être aller plus vite. Non, je n'ai pas l'impression. Mais ce n'est pas grave. On va. C'est mon poney, ça ou pas? Oui. Enfin, je pense que oui. On va prendre notre poney et puis on va y aller à d'autres poneys. Peut-être qu'on trouvera des éléments intéressants. Donc là, on est un petit peu loin. On est quand même à 1,8 km, mais. Peu importe. Alors, il faut que j'aille dans cette direction. Oh là 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 là. Vous avez vu le monticule de cadavres. C'est terrifiant. Alors, ou par où dois-je passer? Par ici, visiblement. Bon, eh bien, d'accord. Allons-y. On doit aller récupérer, si je me souviens bien, la vieille armure donc du père de Jin Sakai. Elle a revêtir probablement. Alors je pense pas qu'elle soit aussi efficace que l'armure dont on dispose maintenant. Parce que cette armure, on l'a améliorée 2 fois, je crois. Peut-être n'aurais-je pas dû l'améliorer finalement pour garder mes provisions pour améliorer l'armure du père de Jin. Mais bon. J'avais pas anticipé que on allait récupérer notre armure. Enfin, je me doutais bien qu'on allait trouver d'autres armures, mais celle-ci, je la trouvais plutôt sympa. Donc j'avais décidé de miser dessus, quoi. Attendez, est-ce que je peux traverser? Si je traverse, il faudrait mieux que je traverse tout de suite. Alors déjà, je vais récupérer ça en passant. Et voilà, je vais passer par là. Attendez, je vais mettre le jeu en plein écran, juste pour profiter des paysages qui se présentent à nous. Pour que vous puissiez profiter vous aussi, parce que c'est magnifique. On est à 1,2 km du village d'Omi. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh! Source shot de la forêt de bambou. Yes! Ça va augmenter notre vie. Je crois que c'est notre vitalité que ça augmente. Ça donne tellement envie de s'y baigner, en tout cas. Quand on voit ça, ça donne vraiment envie, hein. Se reposer. Regardez! C'est magnifique! Ces sources-là, on a envie d'y plonger dedans et de s'y reposer. J'aimerais trop aller dans des sources chaudes comme celle-ci. Alors, réflexion sur la trahison de Ryuzo ou la bonne chère. Toi, la trahison de Ryuzo. Nous avons grandi ensemble, mais tu as tout renié. Combien de temps cela va-t-il durer, Ryuzo? Combien de temps avant que les Mongols se lassent de tes excuses? Santé maximale accrue. Super, ça ne sera pas inutile. Cela ne nous sera pas inutile. Allez, on y va. On est encore un peu loin, oui. Oh, qu'est-ce que c'est? Ce sanctuaire a été profané. Oh! Mais par qui? Mince, le pauvre renard. Tué puis abandonné ici. Quel mépris pour ces messagers sacrés. Vous avez démarré un nouveau récit. Êtes-vous sûr de vouloir continuer? Bon, j'ai pas envie de le faire pour le coup, parce que je veux pas me disperser. Je veux rester sur la quête principale. Mais ça doit être une quête tout à fait intéressante, j'en suis sûr. Allez, on s'approche, 800 mètres. On va peut-être découvrir. Oh, camp du seigneur Shimura. Ah ouais, ok. Est-ce que ça nous débloque un point où on peut se téléporter au cas où pour plus tard? Ouais, on va. Ouais, voyage rapide. Bon, bah, ce sera pratique ça. Hop.
Attendez. Je suis à l'intérieur du cœur, mais maintenant je suis bloqué. Si je vous montrais mes produits. Non, par là. Ensuite, par où? Par ici. J'ai l'impression qu'on va droit sur l'orage. Que l'on voit au loin, ouais. Terrier de renard. Ah, on a découvert un nouveau terrier de renard, ok. Qu'est-ce que c'est là au milieu du chemin? Ce sont des ennemis? Oui, mais je veux pas faire la confrontation. Oh non! Je voulais éviter la confrontation. Ok. De prédateur. J'ai mis posture de l'eau, faudrait que je batte lui d'abord. Oh, oui, fasse attention. Là. Ah, dommage, j'ai été touché. Ça se remet à zéro du coup. Chef tué, ah, c'est pour ça qu'il était résistant. Plus que 6. Et c'est réglé. Bon, allez, je vais libérer le petit. Enfin, le petit. C'est pas un petit, mais. C'est fini, tout ira bien. Seigneur Sakai, je suis heureux que vous ayez secouru Yarikawa, même après la révolte. Je vous dois la vie, Seigneur Sakai. Mais les autres. Ben. Au village de pêcheurs au sud de votre village natal, Kishibe. Je connais cet endroit. C'est là qu'ils vous ont capturé. On se cachait au milieu des restes de poissons quand ils sont arrivés. Ils n'ont pas tardé à nous trouver. Je vous en prie. Ok. Sauvez les autres. Le clan Sakai. Ça marche. Ce village depuis des générations. Je n'abandonnerai pas ces gens. Allez, on y va. C'est le moment peut-être de mettre mes caractéristiques, vous croyez pas? Le début du jeu, j'ai mis 0 caractéristiques parce que j'arrive pas à me décider, mais... Allez, ça peut être intéressant, on va la mettre. Dévie le projectile ennemi quand vous bloquez. C'est vrai que c'est pas mal, ça. Et sinon, j'ai quoi? Posture. Fantôme. Réduit le délai de concentration. Chute amortie, assassinat à la chaîne, assassinat suivant 2 cibles à proximité. Assassinat suivant jusqu'à 3 cibles à proximité, c'est vrai que c'est pas mal ça. Furtive, instinct tueur. Ok. Effectuer une roulade, ouais. Non mais ça j'ai déjà vu. Et ça c'est quoi? Ah, posture du fantôme ouais, qui s'est débloqué. Ok. Est-ce que ça vaut le coup? Une frappe défensive efficace. Je vais le faire parce qu'il y en a des fois, des comme ça. Frappe sprintée. Bondissez sur l'ennemi, assénez-lui. Ça, c'est cool aussi, j'ai l'impression. Coup d'épaule. Ouais. Je me dis que c'est comment? Assassinat à la chaîne, ça peut être pas mal. Donc je vais le... Ouais, je pense que ça peut être intéressant pour avec posture de fantôme, si je fais plusieurs assassinats, ça peut être cool. Par contre, j'ai rien débloqué en posture. Ok, hop. Je vais en débloquer un de chaque. Ok, et puis je fais ça un peu au pif. Hein. Déflexion, ça peut être intéressant effectivement pour parer les flèches quand il y en a trop. Allez, go. Voilà. On verra ce que ça donne, peu importe. De toute façon, je m'en suis très bien sorti sans ça, donc avec ça, ça peut être qu'un plus. Non, j'évite la confrontation, je m'en vais. Débrouillez-vous tout seul.
Moi, je vais rejoindre la zone de la quête. Encore des ennemis. Décidément, il y en a de partout. Je dois pas être loin, là. Rentrer au village d'Omi. Attendez. Ça donne où le vent, là? Non, c'est bien derrière moi, ouais. Mais comment vais-je faire pour aller de l'autre côté? Va falloir que je fasse le tour, non? Oui. Je sais pas si vous entendez ma play, mais elle fait un bruit, on dirait qu'elle va décoller. Je pense qu'elle doit prendre un sacré coup de chaud, c'est pour ça. Ça, le bruit de la ventilation. Allez, je passe par là. Oh non! Je voulais pas sauter. Crotte. Oh non. Je peux passer là ou pas? Non. Ah, par là, ça passe. Ouf. Allez. C'est vrai qu'il fait chaud. Quand on aura cette armure, je pense qu'on pourra passer du coup à la reprise du château Shimura, hein, je crois que c'est ça. Hein. Quand on aura pris le château Shimura, je pense qu'on pourra peut-être accéder à la troisième zone de l'île. Celle qui est la zone la plus au nord, quoi. Alors, entrée au village d'Omi, donc nous y voici. Atteignez le domaine Sakai. Ça doit être ici le domaine Sakai, là derrière cette. Ouais, c'est ça. Je ne vois pas de Mongol. Ouais, c'est ça. Où est-elle? Il n'y a plus l'armure? Comment elle a été dérobée? Ou caché peut-être. Jeune maître. Je vous croyais mort. J'aurais voulu rentrer plus tôt. Content de vous voir, Yuriko. Vous semblez épuisé. Avez-vous faim? Je vais bien. Merci. L'armée du Khan a dû passer par ici. Avez-vous eu des problèmes? Quelques bandits. Je n'ai eu aucun mal à m'en défaire. Je cherche l'armure de... Mon armure. Vous n'en vouliez pas sur la plage de Komoda? Beaucoup de choses ont changé depuis. Je l'ai cachée en lieu sûr. Ah, elle l'a cachée, super. Elle n'a pas été dérobée, ouf. Fantôme du passé. Donc, où va-t-on la trouver, cette armure? Venez par là. Oh, ces vieux os. Je vais demander à Taichi de m'aider. Il est au cimetière. Que fait-il là-bas? Il entretient le domaine. Il cueille des plantes pour mes poisons. Et il éloigne la vermine de nos provisions. C'est bien que vous ne soyez pas seul. Quelle nouvelle du seigneur Shimura? Il est vivant. Les Mongols l'avaient capturé à Komoda, mais nous l'avons libéré. Oh, d'autres ont survécu, et ils se sont joints à vous? Quelques-uns seulement. Dame Masako. Bien. Toute petite déjà, elle se battait aux côtés des garçons. Un jour, il faudra que vous me racontiez tout ça. Est-elle votre seul allié? Il y en a d'autres. Ishikawa-sensei. Voilà bien des années que je ne l'ai pas vu. Se comporte-t-il toujours comme s'il savait tout mieux que quiconque? La moitié du temps, c'est le cas. Mais c'est un archer sans égal. Il ne dirait pas le contraire. Alors, on approche d'un sanctuaire. Et donc aussi, donc le collègue de... Comment on s'appelle? J'ai oublié déjà son nom. Seigneur Sakai, vous voilà. J'aimerais pouvoir rester. Mais j'ai cru comprendre que vous preniez soin de... Ah, Yuriko. C'est plutôt l'inverse, monseigneur. Taichi, aide-moi à préparer l'armure de Sakai. Allez-y.
Je dois me rendre au cimetière. Il va honorer la mémoire de son défunt père, je suppose. Allez sur la tombe de votre père, go. Quand on va revenir avec un peu de chance, nous disposerons... Alors attendez, c'est là? Non, c'est pas là, c'est là-bas. Donc là, on a bien affaire à un cimetière, en tout cas. Et qu'est-ce que c'est que c'est... Et ces sortes de planches en bois, enfin de... Ouais, je sais pas comment appeler ça. Attendez. Planche, bois, cimetière, bouddhiste. Ouais, bon, attends, je vais pas trouver là comme ça. Hein. Des fois, sinon, vocabulaire, cimetière, bouddhiste. On aura peut-être... Enterrement bouddhiste, vocabulaire funéraire. Funéraire et bouddhiste, peut-être qu'on aura des éléments là-dessus. Enterrement dans des grottes, non. Sinon, je crois que tout à l'heure, quand on avait tapé Gorinto dans l'article Wikipédia, je crois qu'il en était question, non. Voilà. Quelques sotoba en bois sur une tombe. Ça ressemble à ça, il y a bien des sotoba, nous. Hein, ce qu'on a sous nos yeux, donc on va taper sotoba... Bouddhisme. Gorinto. Tupa. Non. Le Gorinto et le Sotoba, culture japonaise. Eh bien écoutez, on va regarder sur ce site. Donc là, on a bien les Gorinto. Ok, Gorinto. Alors, chaque élément du Gorinto, vous avez vu, correspond à un élément. Là, c'est éther, air, feu, eau, éther. Ok. Et le sotoba. Donc le sotoba, c'est effectivement ces sortes de planches là. Je sais pas si on peut les appeler ainsi. Le mot sotoba qui vient du sanskrit. Stupa signifie pour les japonais d'aujourd'hui surtout la longue et mince planche de bois dressée à la tombe en honneur du défunt. Dérivé du gorinto, le sotoba peut être une barre de section carrée lorsqu'il sert de stèle en particulier. Ok, donc c'est ce qu'on a dans notre jeu aussi. Alors après, ils ont dit hein, que le mot désigne aujourd'hui pour les japonais d'aujourd'hui. C'est ça, hein, avec les mots qu'on utilise, forcément, la question est ouverte. Doit-on parler du passé avec les mots d'aujourd'hui ou doit-on parler du passé avec le vocabulaire du passé? Des fois, c'est pas évident d'utiliser à chaque fois le terme. Parce que avec le temps, forcément, le même élément peut être appelé de manière différente d'une époque à une autre. Où le même mot a pu désigner différentes choses au fil du temps. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire au final? Quel mot doit-on employer? Bref, en tout cas, on sait de quoi on parle avec ces sortes de planches en bois que nous avons sous les yeux maintenant. On appelle ça des sotoba aujourd'hui, vraisemblablement. J'ai perdu mon père. Nous y venions pour méditer. Je me retrouve seul. Une sorte de petit haïku, on aurait dit. Je pense que j'aurais pu trouver d'autres phrases si j'avais mieux cherché autour de moi. Mais je l'ai compris que trop tard. C'est tout à fait particulier, hein. Tout à fait particulier, pardon, ce genre de cimetière dans lequel nous passons. Alors, on doit
Retourner donc à l'intérieur. Je fais un petit peu le tour pour voir à quoi ça ressemble. Ah là, il y a encore un foyer juste au milieu. Oh, voici l'armure. Aide-moi. Que ta mort profite à tous les êtres. Jeune maître. Vous allez bien? Oui, j'ai eu un vertige. Pendant un instant, j'ai cru voir votre... Bats-toi, espèce de lâche! Cachez-vous. Qui est-ce qui vient de nous ennuyer? Masque Sakai, porté par les plus grands samouraïs du clan Sakai. Armure du clan Sakai, réservée au chef du clan Sakai, autrefois portée par le père de Jin, Kazumasa Sakai. Ah ok, c'est les collègues de Ryuzo qui sont venus pour... Voilà, un de moins déjà. Réglé. Et réglé. Yoriko. Seigneur Sakai. Oui. Est-ce que ça va? Vous les avez massacrés. Le clan Yarikawa cherche-t-il encore les ennuis? La révolte de Yarikawa remonte à 20 ans. Ces hommes s'étaient alliés aux Mongols. Bien sûr. Vous voir ainsi. Ça m'a un peu retourné. Je dois reprendre mon souffle. Au bord du lac, votre arbre préféré. Oui, allons-y. Oui, je cherchais sur mon dictionnaire de la civilisation. Vous concoctiez des poisons. Dictionnaire et civilisation sur le Japon, je cherchais un article, je vous le lirai juste après. Le pourriez-vous? Mince, j'ai pas suivi ce qu'il disait. Ah, du poison! Ils ont parlé de poison, je crois. Hein. Je crois qu'ils ont parlé de poison, mais je suis pas certain. Je... J'étais ailleurs. Asseyez-vous à mes côtés. Jamais les Sakai n'ont eu recours au poison. Ah, le poison, ok. Jamais les Sakai n'ont été confrontés à l'Empire mongol. Toute arme est donc bonne à prendre. L'avenir de Tsushima en dépend. Les Mongols vous ont changé, jeune maître. C'est le monde qui a changé. Ma mère m'a transmis son savoir des plantes médicinales, mais aussi des plantes nocives, voire mortelles. Elles doivent pénétrer l'organisme. Comment comptez-vous empoisonner l'ennemi? Une sarbacane et des fléchettes. J'ai découvert l'usage de cette arme dans les mémoires d'un guerrier Genji. Alors, Genji, c'est un autre mot pour dire Minamoto.
Le clan des Minamoto peut être désigné comme le clan Genji. Promettez-moi de rester l'homme bon que vous êtes. Je vous le promets. Et dans le Heike Monogatari, c'est justement l'affrontement entre les Minamoto et les Taira, qu'on peut aussi dire donc Minamoto, Genji, et Taira, Heike. Tout ce qu'il me faut, c'est de quoi faire une sarbacane. Il y avait des roseaux le long de la rivière, près du vieux passage. Vous rappelez-vous ? Vous et votre ami, vous vous en serviez pour construire de petits bateaux. Avec Ryuzo, nous passions notre temps à rejouer la bataille de Dannoura. Oh, la référence, Dannoura. C'est la bataille décisive entre les Minamoto et les Taira dans le Dideiki. Justement, ça se termine par la bataille de Dannoura. Et spoiler alerte, les Minamoto l'emportent sur les Taira. Voilà. Et donc du coup, c'est la conclusion de la guerre de Genpei. Et c'est aussi la conclusion donc, du Dideiki qui présente, c'est le récit de la guerre de Genpei. Donc un récit à mi-chemin entre l'histoire et la légende. Hein. Je vais vous montrer un petit peu du coup Dannoura. Si vous regardez d'ailleurs l'anime que je vous ai recommandé à propos du Dideiki, eh ben le 11e épisode présentera la bataille de Dannoura. Voilà, donc en fait il y a la flotte Minamoto qui va affronter la flotte Taira et c'est la flotte Minamoto qui l'emporte. Voilà, c'est la fin de la guerre de Genpei. Et voilà, le chef de l'armée d'Minamoto, c'est Minamoto no Yoshitsune, hop, qui est présenté dans cet article. Minamoto no Yoshitsune, qui est souvent accompagné par Benkei, qui est... Alors, je sais pas lequel est lequel là-dessus. Je pense que Benkei, c'est lui, et ça doit être Minamoto no Yoshitsune. Benkei, c'est un Sohei, un moine guerrier qui accompagne, d'après le récit, qui accompagne toujours Minamoto no Yoshitsune. Voilà. Et Minamoto no Yoshitsune, donc, qui est le commandant de l'armée des Minamoto, et qui fait alliance avec son frère, c'est Yoritomo, je crois. Hein. Non, c'est pas Yoritomo. Attendez. Trouvez ces roseaux. Allez. Minamoto no... c'est Yoritomo aussi, je crois. Hein. Minamoto, no, premier shogun, fondateur... De... Ah bah oui, c'est ça, c'est Minamoto no Yoritomo. Ouais, bah si, c'est ça. Bref, voilà, donc pour la bataille de Dannoura. Et donc si on repart sur le Heike Monogatari, hop. Donc ça, c'est l'anime que je vous ai recommandé. Hein. Hop, voilà. Et là, donc, Heike Monogatari. Donc, est une chronique poétique. Mais ça, je vous l'avais présenté. Donc, voilà. Et... Résumé, donc le thème central est le récit de la chute des puissants Taira, le clan de Bushi, qui après avoir défait les Minamoto en 1161, était si consumé par l'ambition qu'ils semèrent les graines de leur propre destruction et furent finalement vaincus par les Minamoto revitalisés en 1185. Oui, parce que dans un premier temps, dans un autre récit, ça nous raconte comment les Minamoto se sont fait écraser par les Taira, et ensuite, là dans Heike Monogatari, c'est la chute. De nombreuses variantes du texte ont été mises à l'écrit au cours des siècles qui suivirent le conflit de Genpei. Leur contenu et leur longueur peut grandement changer d'une version à une autre. Ce récit est découpé en épisodes dont le nombre diffère selon la variante et qui sont destinés à être récités au cours d'une série de veillées nocturnes. Ok. Allez-y. Laissez-moi. Intéressant ces représentations. Alors juste pendant que j'y suis, je pense que je ferai une vidéo dessus, mais je vous recommande vivement Google Arts & Culture. Voilà, vous tapez Google Arts & Culture, et là par exemple, si ce qui vous intéresse c'est... Alors Heike Monogatari, je suis pas sûr qu'on ait grand chose dessus, encore qu'on a quelques illustrations, mais si par exemple ce qui vous intéresse c'est les estampes, tapez estampes, admettons, là vous allez avoir des éléments sur les estampes japonaises, et vous avez, donc là par exemple... Regardez, on a la fameuse grande vague de Kanagawa. Et là, en fait, si vous voulez, la représentation, c'est l'une des vues du mont Fuji. Et là, vous voyez, il y a le mont Fuji qui est juste ici. Trouvez ces roseaux. Allez.
Alors j'insiste pas trop, c'est juste que j'y ai pensé parce que comme on regardait les articles sur le Heike Monogatari et qu'il y avait des représentations, ça m'a fait penser à ce site sur l'art. Et par exemple, moi j'aime bien Toriyama Sekien. Je vous attends ici. Et du coup, là, si vous cliquez sur Toriyama Sekien, et ben vous pouvez avoir hop, des éléments intéressants à son propos. Notamment voilà, son Yaki Yagyu, la parade des 100 démons, du coup, hop. Mais ça en fait pas partie par contre. Après, Toriyama Sekien. Moi j'aime bien c'est de taper PDF à la fin de mes recherches et du coup vous arrivez vraiment à tomber justement sur des versions PDF de ce que vous cherchez. C'est assez intéressant. Donc là j'arrive pas à ouvrir le site mais c'est dommage. En attendant je voulais chercher autre chose. Je voulais chercher Hokusai. C'est lui qui a fait les... Non, c'est pas ça. Hokusai. C'est lui qui a fait les vues du mont Fuji. Et regardez, des fois, vous tombez sur des expositions en ligne. Hop, et après, c'est intéressant parce que, regardez, Hokusai, il y avait plus de 30 noms. Voilà, ça nous explique, du coup, plusieurs choses dessus. Là, regardez, on avait plusieurs représentations, donc des vues du mont Fuji par Hokusai. Regardez, là encore, c'est magnifique à chaque fois. Et on peut découvrir ça sur Internet, vous vous rendez compte? Libre d'accès, on peut vraiment voir des merveilles. Et je trouve que c'est vraiment plaisant. Hop. Alors on a donc les vues du mont Fuji. Et donc du coup vous avez Hiroshige aussi qui a fait des belles choses. L'illustration qu'on a l'air magnifique si on peut y cliquer dessus. Ouais. Ça s'est ouvert, super. Donc comme ça s'est ouvert, on n'a plus qu'à... Hop. Donc on va de la droite vers la gauche. Hein. Et donc ça c'est ces représentations du yokai. Vous voyez, il y en a plusieurs. Alors on dirait Otoroshi. Par exemple, Shigeru Mizuki, dont je vous ai déjà parlé, eh ben, il s'est beaucoup inspiré de Hokusai. Là, donc c'est le Yaki Yagyo, parade des 100 démons, donc de Hokusai. Là, vous voyez, à chaque fois, on a donc des démons. Des démons. Plutôt des yokai, je voulais dire. Vous voyez? Intéressant, hein? On a ça. Ça, c'est sur Internet Archive, on a accès à ça. Et après, si vous tapez Hokusai, mais je vous dirais que je pense que même sur l'article Wikipédia. Vue du mont Fuji Hokusai. Je pense qu'on doit tous les avoir. Ouais, regardez, ils y sont tous. Vous vous rendez compte? C'est quand même fabuleux d'avoir ça. C'est quand même... Moi, enfin, je m'émerveille de me dire qu'on peut avoir accès à ces œuvres d'art, regardez, dans une qualité qui est vraiment formidable, et on peut tous les admirer. Regardez. Les 36 vues, mais en fait, il y en a plus que 36, hein, du mont Fuji. À chaque fois, en fait, le sujet, c'est le mont Fuji représenté de différentes manières, regardez. Sous prétexte de représenter le mont Fuji, ben on a des représentations de la vie quotidienne au Japon. Donc Hokusai, il a vécu quand ces périodes d'Edo. Hokusai, il a vécu 18e siècle, donc la ouais, période d'Edo. Et regardez un petit peu. Hop là, on le voit ici, le mont Fuji, c'est absolument magnifique. Donc, ce que je voulais vous présenter là, dans cette petite pause dans notre let's play, c'est le site de Internet Archive, Google Arts and Culture, c'est celui que je voulais vous présenter parce qu'on peut vraiment avoir des expositions en ligne et des choses remarquables à ce propos. Vous faites vos petites recherches et c'est vraiment très intéressant. Et ensuite, ne pas sous-estimer Wikipédia qui, par exemple, a listé toutes les œuvres de Hokusai. C'est absolument magnifique. On a vraiment de la chance de les avoir toutes là en version numérisée. Hop, regardez là, on voit des belles représentations de Tori. Et où est-ce qu'il est le mont Fuji? Il est là-bas derrière, tout au fond, en arrière-plan. Voilà. Donc ça vaut le coup parce que moi j'aime beaucoup les estampes japonaises donc je trouve que c'était quand même plaisant. Voilà, j'insiste pas, je suis parti loin dans ce que j'avais vous présenté au final. Je me suis un petit peu éloigné de notre jeu. Mais pendant que j'y pensais, je voulais vous. Comment dire, vous. Je voulais vous. Comment dire? Faire prendre conscience qu'on pouvait effectivement tomber sur ça grâce à Internet. On pouvait découvrir ça grâce à Internet, qu'on pouvait trouver des choses remarquables. Mais je pense que vous le savez. Sur Internet, on peut trouver de tout, le pire comme le meilleur. Et on a notamment justement plein d'œuvres d'art numérisées. Donc ça vaut le coup, je trouve. Ça vaut vraiment le coup d'aller les consulter. Donc notamment sur Google Arts and Culture. Mais aussi, parfois, il suffit d'aller regarder sur Wikipédia pour en trouver la numérisation de ces œuvres.
territoire mongol. Alors attendez. Juste, je voulais checker un truc. Gazou, Yaki, Yagyo. Hop. Et regardez, je vous parlais de Google Arts and Culture, mais en vérité, hop. Regardez là. On a le Gazou Yaki Yagyo, donc de la parade nocturne illustrée des 100 démons de Toriyama Seiken. On les a aussi sur, sur Wikipédia, hein, vous voyez. Donc c'est quand même ça. Là, c'est un kappa, par exemple. Donc c'est quand même sympa de, d'avoir ça. Ah, mais c'est écrit d'ailleurs, ce qui est en dessous, c'est écrit ce qui a été représenté. Là, le Kama Itachi, la Mikiri, Kitsunebi, ok, super. Hein. Et on y a accès, juste, il faut connaître le nom de l'œuvre, Gazou Yaki Yagyo. Et ensuite, vous pouvez faire votre petite recherche et regarder. Hop, c'est en 3 volumes et on a toutes les illustrations, mais c'est trop cool. Voilà. Allez, je repars sur Cam Petite. Voilà. Oh, je me rends où, moi? Parce que là, je suis vraiment parti dans tous les sens. Je suis là. Je meurs de chaud. J'ai vraiment très chaud. Mon visage est luisant. De transpiration tellement que j'ai chaud. Ah non, mince, je planais vu que j'étais... Ah, j'étais pas concentré. Je vais revenir à la vie, mais... Ça aurait été trop cool de faire la confrontation, ça serait allé plus vite. Et ouais, vu que je commence à fatiguer en plus, j'ai tourné plein d'... Enfin, ouais, beaucoup d'épisodes à la suite, là je commence vraiment à fatiguer. Et ça se sent... Après, j'irai me reposer, je pense, ou peut-être je ferai un dernier épisode. Et puis... Le tournage se prolongera un autre jour, espérant que je trouve le temps. Je me demande si j'en suis loin de la fin du jeu, là. J'ai pas d'idée, j'ai pas idée de si je suis loin. J'en suis à l'acte 2, il y a 3 actes. Aïe, 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 vite, 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 roule. Ouais. J'avance petit à petit. Quand je crois au 3e acte, je serai pas loin de terminer. Récupérer Sashimono. Alors, attendez. Ah, oh, laisse-moi tranquille. Allez, 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 allez. Non, non, roule. Ah, un chef tué, super. Allez, go. Ah non. Allez, faut que je me soigne. Allez, vite, roule. Attends, c'est qui me tire dessus comme ça, là? C'est l'archer qui est juste ici. Allez, go. Là. C'est ici. Moi, je pense que ce sera le dernier épisode pour aujourd'hui. Enfin, pour vous, ça vous change rien, parce que de toute façon, ils sont programmés... Un épisode par dimanche. Mais j'en tourne plusieurs en une journée. Bon, vous aurez, quoi qu'il arrive, un épisode par dimanche. Normalement, il devrait pas... Enfin, je devrais pouvoir tenir la cadence d'un épisode par dimanche. Alors, du coup, je vais récupérer ça. Cueillir les roseaux pour la serve. Ah oui, mais c'est pour ça qu'on est venu à la base. Bon, bah super, je les ai, les roseaux. Je vais les donner. Que je fais demi-tour ou je finis de libérer l'endroit? J'ai commencé, j'ai qu'à finir, non? Y a-t-il encore des ennemis? Oui. Allez, je vais récupérer ce que je... Oh. Là, réglé. Ah non, j'ai pris le coup. Ok. Ah cool, du fer. Ah, il y a des provisions aussi. Qui m'a vu, toi? Là. Reste-t-il beaucoup de personnes?
Éliminer le général du camp de guerre. Mais où est-il, le général? Je veux bien aller l'affronter, mais où est-ce qu'il est? Récupérer Hashimoto, éliminer le général du camp de guerre. Ah, j'en vois là-bas. Ok, je pense que je vais pouvoir trouver. Y a rien à récupérer ici, si. Allez, viens proche pour voir. Allez, super. Ah, je voulais taper mon esquive, je l'ai raté. Tant pis. Ah, ça doit être lui le général, je pense. Bah alors attendez, parce qu'ils sont vraiment très nombreux. Vite, 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 vite. Faut que j'aille le tuer, lui. Allez, viens là, toi. Hop. Voilà. Alors attendez, j'ai pas vu un autre tonneau quelque part. Ça serait cool de les attirer vers le tonneau et de le faire exploser, non? Ah, j'étais pas persuadé d'en avoir vu un autre. Mais non, j'ai l'impression que non. Mince. Pas d'autre tonneau, voilà. Bon, bah, je vais monter là-dessus et puis je vais attendre qu'il monte. Avant qu'il me jette des cailloux. Non. Là, c'est pas... Ah, j'ai... Je suis pas arrivé à esquiver, là, le coup. Ceux que j'aime le moins, c'est ceux qui ont les doubles sabres. Ils sont vraiment embêtants, je trouve. Hop. Allez, vite, j'en profite pour la battre. Allez, vite, vite. Voilà, super, il est réglé. Je vais monter là-haut, je vais attendre qu'ils approchent. Allez, c'est lui qui arrive le premier. Ah, c'est bon. Là. Vite, laisse-moi reculer. Allez, je vais Ah, je voulais sauter. J'ai sauté trop tard. Allez, vite, je vais casser sa garde, je le tue. Ah, il a remis sa garde, dommage. Super, réglé. Ah, il y a lui qui n'est pas mort. Ok, ça c'est fait. Ensuite, à lui, je casse sa garde. Est-ce que je vais avoir le temps de le tuer? Non, il a remis sa garde. Après, il reste que des hommes au bouclier, donc du coup, généralement, c'est pas le plus difficile. Ah, j'ai pris un coup. Allez, casse-lui sa garde. Là, chef tué. Super. Je vais libérer le village vu que je suis là. C'était le général en chef, ça, non? Non? Bon, je n'en sais rien. C'est encore un... C'est peut-être lui, remarque, le chef. Est-ce que c'était un chef? Oui, c'était un chef, lui aussi, en tout cas. Plus que 3 avant la posture de la lune. J'ai bien fait de m'arrêter ici. Bon, du coup, je vois qu'on est à 43 minutes, mais... Au moins, on aura... Ah, il en reste un. Il reste lui, visiblement. Est-ce que c'est un chef, lui? Non, c'en est pas un. Non, il était trop facile pour que ce soit un chef, je pense. Abréger ses souffrances. Bon, on en est où? Ah, il en reste là-bas, je vois. Lui, c'est bon. Changer de posture. Ah non. Et lui, c'est bon. Il en reste encore? Ah, le chien. Et là-bas, qu'est-ce qu'on a? Un Hashimoto. Ok. Ah, on a encore quelque chose là-bas. Détruisez la réserve de poudre. Alors attendez, là, on a quoi? On doit avoir un Hashimoto, peut-être? Un Sashi. Pas un Shashi. Un Hashimoto. Ensuite. On a encore un Hashimoto, je suppose, à l'intérieur. Ou à moins que ce soit la réserve de poudre.
Non, un sashimono. Ok. Village de Kishibe, on l'aura libéré, ce sera pas mal. On en aura pas fait beaucoup, mais au moins, on aura fait celui-ci. Attendez. Où est-ce que la réserve de poudre? Il reste plus que ça, j'ai l'impression, en plus. C'est ça, la réserve de poudre? Non. Ah, par contre, il y a un coffre ici. Qu'est-ce qu'on a trouvé? 43 provisions, cool. J'ai mis ça. Où est la réserve de poudre? Non, je veux pas rentrer là-dedans. Bon, bah, c'est pas grave. Récupérer ça. Je récupère. Il y a vraiment beaucoup de ressources. Ça valait le coup de venir en plus. C'est ça la réserve de poudre? Ouais, super. Je l'ai trouvé sans faire exprès. Bah, j'ai que tirer dessus, non? Non. Faire le tour. Allez. Maintenir pour allumer. Et voilà, plus qu'à reculer. Mince, attends, je vais récupérer ça vite avant que ça pète. C'était risqué. Allez, super, on a libéré le village de Kishibe. Cool. Bon, une bonne chose de faite. Comme ça, le village est libre. Et on pourra s'y téléporter si on le désire. Point de technique acquis. Génial. Ah, j'ai oublié de vous lire l'article sur les armures. Mais écoutez, je vous le lirai dans un prochain épisode. Je finirai bien par vous le lire. Il faudrait peut-être que je rééquipe l'autre armure pour vous... Ce sera plus, mieux par là... Ce sera plus parlant avec l'autre armure, je pense. Bon, il n'y aura plus qu'à retrouver Yukilo, mais j'irai plus tard. Ah, ok, d'accord, ça a révélé tous les alentours grâce au fait d'avoir libéré le village de Kishibe. Très bien. Bon, bah, il n'y aura plus qu'à aller là-bas. Et puis, voilà, on verra. Je pense qu'on sera pas loin d'aller combattre au château des Shimura, je pense. Donc, c'est cool. Très bien. Très bien, très bien. Bon, ben voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire dans cet épisode. C'est tout ce que je voulais faire. On continuera la prochaine fois. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Comme d'habitude, comme j'ai pris l'habitude de le faire maintenant, surtout, ne me croyez pas sur parole. Faites vos propres recherches. Et n'hésitez pas à me partager, bien sûr, le résultat de vos recherches. Gardez un esprit critique. Forgez-vous un esprit critique. Et cherchez, lisez, puis relisez. Cherchez plusieurs sources, plusieurs ouvrages qui parle du même sujet pour essayer de recouper toutes vos connaissances, toutes vos infos. Voilà. Faites-vous en chaque chose votre propre vérité. Et puis sinon, moi je vous dis à la prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien. C'était l'héros de l'histoire pour vous servir.